Kanima. Voyons. tu sais, désolé, désolé. Voici notre maison, notre toit. Tout ce qui est ici t'appartient et m'appartient aussi. Et voici où se trouve le puits. C'est à cet endroit que nous venons puiser de l'eau, mais à cet instant, ça ne fonctionne pas. Ce n'est que disponible lors de la saison de pluie. Oh. Mais plus tard, ne te dérange pas, je vais t'emmener à la rivière où nous pourrons trouver de l'eau. Hmm? Merci beaucoup. Merci, mon amour. Merci. Sois la bienvenue. Écoute, nous allons faire ceci. Attends que je prenne... D'accord, tu peux venir. Kani Kanima. Kani Kani. Par ici. Ah ah. Oh. Kani, Kani, mon amour. Moi. Comment vas-tu? La nourriture est prête. Oui, hein? C'est déjà prêt. J'arrive avec ça, d'accord? Ok. Où est Zuroke? Où est Zuroke? Hey! Hey! Où est Zuroke? Hey! Hey! Ouawa! Ah ah! Ezine? Ezine, tant que tu es encore en vie. Ah hey. Ah! J'attends que tu puisses mourir avant moi, non? Ouah! Hey, Ezine! Comment est-ce que je peux mourir pendant que tu es plus vieille que moi? Tu as vu? Hein? Même moi, je refuse de mourir. Sois le bienvenu. Merci. Mais quelle est cette maladie que tu as trouvée ici? Oh, mais tu vois que je vais très bien. C'est bon. Comment s'est passé ton voyage? Je remercie le bon Dieu. Ney, salut. Ah, tu vas bien? Oui, maman. Va te trouver une place pour te mettre. Mais qu'est-ce que c'est, non? Aïe! Où est Zuroke? Mon hey. Frère! Mon oh. frère! Le grand tireur! Hey. Hey, depuis le temps! Mais qu'est-ce que c'est? Toi, tu peux pas changer. Mais pourquoi tout ça? Tu n'as pas changé, même un tout petit peu comme ça. Dis-moi, non, Ezine, je ne comprends pas ce que tu... Ne me dis pas que... Tu iras chez ses parents pour le mariage. Oh, hey. Mon frère. Ah, Ezine, voyons, Ezine. Essaye un peu de fixer tes yeux et essaye encore très bien de l'observer et dis-moi si tu ne remarques pas un peu de moi en elle. Mon amour. Mon frère, je ne vois rien du tout. Ah. Je ne vis rien du tout. Oh, mon frère, tu n'as pas changé. Même pas un tout petit peu. Je ne crois pas que c'est la vieillesse qui te rend ainsi. La vieillesse te fait perdre de sens. C'est pas vrai. Pas de problème. Rejoins-nous alors. Viens, on va manger. Ah, mange toi-même. Mangez. Bon appétit. Hein? Je vois que tu es de bonne humeur. Mangez. Je n'ai pas envie de gâcher votre mère. Mangez votre nourriture. Ezine. Mangez. Je rentre chez moi à la maison. D'accord. Je viendrai plus tard te voir là-bas, d'accord? Non, non. Je n'ai pas besoin de ça. Ne viens pas. Ah, ah. Ne viens pas. Hé, hey, mon cher frère, c'est ne viens pas. Ce que ça ne vous donnerait pas avec la viande que tu as tuée. Réjouis-toi de ça, oh. Réjouissez-vous. Okay. Moi, je pars. Hein, doucement. On se voit. Oh, ah, oh, ah. Au revoir. Hé, hey, tu ne vas pas changer. Hé. Hey. S'il te plaît, ne t'occupe pas des innés.
Hey, allez, lève-toi. Que fais-tu là? Hein? Mon cher, ne te fâche pas. Que je ne me fâche pas. Merci beaucoup, mon frère. Je t'en prie, mon cher. Alors qu'est-ce qui... qu'as-tu dit qui s'est exactement passé? Ah, mec. Tu vois mon village, hein? Hey, ça réclame plusieurs de nos vies. Et des jeunes hommes comme nous sommes encore très forts. Voilà pourquoi mes parents m'ont demandé de venir en ville. Voilà pourquoi je suis venu. Hein? Allez, on vite pour faire quand même. Ça, c'est vraiment le problème. Je suis parti du village il y a déjà 2 jours. Ce n'est qu'aujourd'hui que je vais me décider de passer une nuit ici. Hein? Ça, c'est pas du tout un problème. Que veux-tu exactement que je puisse faire pour toi, au juste? Mec, en fait, si tu peux quand même me permettre de travailler avec toi. Même pour quelque temps, tu sais, au village, là, j'étais un mécanicien. En fait, là, je faisais vraiment la mécanique. Donc, si quand même tu veux me permettre de faire quelque chose avec toi. Oh, attends, tu es vraiment sérieux quand tu dis que tu as appris la mécanique ou tu veux juste attirer mon attention? C'est quoi au juste? Non. Je suis vraiment sérieux. Je travaille, je suis un mécanicien. Tu comprends, mon cher? Je peux facilement faire tous ces travaux. Tu sais, au fait, quand tu m'as dit que tu étais mécanicien, j'avais senti ça directement. Oui, mon cher, on peut faire quelque chose, on va travailler. Hein? J'avais récemment ouvert ce shop de mécanicien que je gère moi-même. Ne t'en fais pas, je vais te conduire comme ça, on va pouvoir... Ah, mon cher, tu es sérieux? Ah. Oh, en tout cas, merci beaucoup, on va faire du bon travail, mon gars. Ah, ça ne sera pas un problème, il faut savoir s'entraîner dans la vie, non? Qu'est-ce qui vient de se passer? Pourquoi ton visage est comme mon ça? Mon cas, tu sais, mon cher, la situation. Je me demande où est-ce que je passerai des nuits ces derniers temps. Ah, oh, voyez-moi ce gars. Ah, tu peux venir habiter chez moi, non? Tu peux venir vivre avec moi, bien sûr. Ah, mon cher, tu es sûr? Ah, non. En fait, comment tes parents vont te permettre d'amener un étranger? Écoute, je suis l'homme de la maison. C'est à moi qu'appartient la maison, tu vois? Laisse-moi gérer ça, d'accord? Je vais gérer ça, ok? Allez, dépêche-toi, on va aller travailler. Merci beaucoup. Il est important. Allez, oublie ça. Dépêche-toi. Maman, il a amené une fille dans notre maison. Il a amené à la maison comme qui? Maman, comme sa nouvelle femme, bien sûr. Tu t'étonnes? Ne dis pas ça, c'est pas vrai. Es-tu sérieuse? Maman, je suis sérieuse. Ces femmes continuent de se marier? Oui, maman. Maman, tu vois cette fille? Une très jeune fille, moins âgée que moi, tu peux l'imaginer? Elle a épousé une fille de ta génération? Maman, c'est ça, je ne sais pas trop. Hey! Maman? Au cas de retour. Odor. Ma chère mère. Maman, bonjour. Bonjour, mon fils. Et comment toi? Tu es déjà parti maintenant. Maman, voici mon ami Paul. Paul, mon cher ami, maman. Bienvenue. Bonjour, maman. Bienvenue, mon fils. Et aussi ma petite sœur, Ogobondo. Content de vous voir. Salut. Maman, attends, je vais t'aider. Attends, je vais t'aider. Ah, vas-y, doucement. Tout va bien. Lentement. Fais attention. Attends, je vais... Mais comment tu n'arrives pas à casser ces noix de palme? Ne me mange pas. Regarde aussi pour moi. Tu dois apprendre à venir avec de bonnes choses au lieu de venir finir avec l'eau que nous avons ici. Tu veux le finir tout seul? Maman, laisse-moi l'emmener à l'intérieur, hein? Lui, c'est mon ami. Sois le bienvenu. Merci. Mais cadeau intérieur. Ça va, toi? Regarde-toi. Maman, il a porté son sac. Il va habiter avec nous? Que sais-je? Tu n'as qu'à le demander à ton frère. C'est vrai, Mais maman, il n'est pas mal, Qu'est-ce que ça veut dire? Donc voilà un peu, maman, telle est mon histoire. Enfin, il n'y a pas de problème. Et tu peux rester ici avec nous.
Hey, tu vois, je t'avais dit, non? Merci beaucoup, maman. Maman, merci, oh. Ok, il n'y a pas de souci, c'est bon. Je t'avais dit, non? Je crois que vous avez déjà faim. Ah, maman, très très faim, oh, depuis le matin. Écoute, c'est Lucie. Ego, maman, pourquoi tu prends autant de temps? N'est-ce pas que cette nourriture est déjà prête? Ça traîne beaucoup, emmène ça. Ah, ah, c'est quoi ça? On a faim. Patientez un peu, oh. Et toi, bouge de là. Arrête de traîner comme ça, oh. Moi j'ai très faim. Tu faisais quoi depuis tout ce temps? C'est tellement chaud. Bien. Alors, en tant que l'homme de la maison, hein? Ne commence pas. Ah. Ne commence pas. Et je dis que vous allez t'épouser. C'est moi l'homme de la maison, je t'ai dit. Combien as-tu donné pour cette nourriture? Allez, prions. Tu ne sais même pas que tu dois prier avant de manger. Père, bénis cette nourriture au nom de Jésus. Amen. C'est vraiment drôle, toi. Ah, Ego, hein? Tu es très comique, je peux tuer quelqu'un. File la vaisselle, tu vas me faire les cheveux. Dépêche-toi. Qu'est-ce que c'est? Quels cheveux? Ceci? Tu n'as pas à dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a avec mes cheveux? Tiens, regarde tes cheveux et regarde-moi. Penses-tu que tes cheveux sont meilleurs que regarde le mien? Comment c'est quoi beau? Ça? S'il te plaît, regarde le mien. Ça, c'est sans des cheveux. Ça, ce sont cheveux. Des cheveux que tu dis. Ça, ce n'est même pas léger, hein? Regarde. Arrête. C'est quoi ça? Laisse tes assiettes et occupe-toi de mes cheveux. Ferme ta bouche. Regarde ça. Ah non, s'il te plaît. Laisse mes cheveux. Laisse. C'est quoi ça avec toi? Yanné. Tu es là? Tu es prête? Oui. Bonjour, maman. Bonjour, mon ami. Comment tu vas? Je veux bien, maman. Maman, je viendrai au marché. Et je viendrai avec Obuchi. On te suit, maman. Tu n'as pas toujours fini avec cette vaisselle depuis le matin? Hein? Non, maman. Ne fais pas traîner au marché, oh. Oui, maman. Nemo, bon aller, oh. Ok, oh. Prenez soin de vous, hein. Je t'attendrai au marché, oh. Oh. Vas-y, dépêche. Dépêche-toi, tu me fais les cheveux, non? Oche, si tu voyais l'homme que mon frère a ramené à la maison. Hey. Hein, trop beau, je t'ai dit. Hey, es-tu sérieuse? Je t'ai dit la vérité. Je pense qu'il est toujours seul. Hein? Oh, si t'es peine, il va pas là-bas. Parce que c'est mon petit ami à venir. Ah. Bien sûr. Ego, juste à peine que ce garçon est venu et tu es tombée amoureuse de lui. Ah, s'il te plaît, Bouchi. Ego, bébé. Ego. Je m'appelle pas Ego. Doucement, calmement. Hein, tu m'étonnes. Je ne fais pas. Ah, élimine ton petit ami. Ah, s'il te plaît, file la vaisselle. Dépêche-toi. Ma belle, s'il te plaît, attends. Né. Oui. Comment tu je vas? Bien. Je t'ai aperçu au marché. D'ailleurs, j'ai acheté ces choses chez ta mère. C'est bon, mais elle n'est pas du tout ma mère. Hein? C'est la mère de, tu connais ma copine qui est là-bas, oh, très bien, non? Oui, okay. Celle-là. C'est ah, mère. Ok, je vois. Au fait, je tenais à présenter mes excuses pour ce qui s'est passé la fois dernière. Ne t'occupe pas de Owam. Il est toujours comme ça. Ah, celle-là. Je te jure. Hein. Nous la connaissons plus que toi. Sérieux? Il n'y a pas de problème à propos. Hey, d'accord, merci. Il n'y a pas de problème. Hein. Ok, je vois, d'accord. D'accord. Est-ce qu'on peut devenir des amis? Amis? Oui. Être ami avec toi, ce n'est pas un problème. Mais je ne veux pas que ton père puisse me morceler. Ah, ah, non, il ne le fera pas. Es-tu très sûre? Es-tu oui, j'en suis très sûre. Il n'y a sûre, pas de oui. problème. Ah, je pense okay. qu'on aura le temps de plus se connaître. D'accord. Mais pour le moment, je dois vite entrer à la maison préparée avant que ma mère ne puisse rentrer. Ah, tu as raison, mais moi aussi. Je m'en vais. D'accord, c'est bon. Oui, ok, bye. Tu en prends quel chemin? Je prends cette direction. D'accord, merci, ok, bye. Au revoir.
Kanima? Tu es où, Kanima? Mais où peut-elle bien être? Chikanima. Ah, j'espère que je n'ai pas gâché quelque chose. Non. As-tu besoin de quelque chose? Non. Regarde, jeune fille, tu es en train de me mettre en confusion entre tes oui ou des non ou tes réponses là, hein? Paul, je suis venue passer du temps avec toi. Tu es venue passer du temps avec moi? On peut le faire dehors, hein? Non, Paul. Tu vois. Je t'aime. Oh, stop. Tu ne peux pas m'aimer. Premièrement, tu es la sœur à mon ami. Et deuxièmement, ça fait de nous une famille. D'accord? Excuse-moi. Je n'ai pas le temps pour ça. Excuse-moi. Regardez-moi ces gens. ces gens sont en train de jouer avec Papa, bon après-midi. Comment vas-tu? Je vais bien. C'est bon. Papa, je te présente mon ami, Onyebuchi. Onyebuchi, je te présente mon unique amour. Bonjour, monsieur. Peux-tu la fermer? Hein? Et qu'est-ce qui est bon avec le jour? Quand les gens comme toi se mettent à gâcher la joie des autres. Monsieur? Chut! Écoute, laisse-moi t'avertir. Je ne veux en aucun cas te voir à côté même de ma parcelle. Est-ce que tu m'as compris? Je ne veux non plus te voir à côté d'elle. Parce que je ne veux pas que vous essayiez de corrompre ma fille avec vos comportements du village. Alors, sors d'ici. Oh, qu'est-ce que c'est? Ferme qu'est-ce ta bouche fait, et sors d'ici. Chika, tu vois ce que je t'avais dit? C'est bien, je m'en vais. Tu continues à parler? Allez, sors d'ici. Et toi, va dans la maison. Écoute, tu m'as très bien entendu. Au cas où tu penses, tu m'as très bien entendu. Si seulement je te voyais. Essaie seulement de faire ça. Tu sauras qui je suis. N'importe quoi. Viens chercher le problème. D'accord. Bouchi, attends. Bouchi, s'il te plaît. Attendre quoi? Pour qu'il puisse encore m'insulter encore et encore? Il vient de me traiter une villageoise. Qu'est-ce que tu veux encore de plus? Bouchi, je crois que tu le connais assez, non? T'es censée être tolérante avec lui. Cet homme est abusif. Je ne peux jamais coopérer avec ce genre d'homme. Je ne peux pas. Bouchi, je te supplie, pardon. Ne pars pas. Ce que je veux faire, c'est meilleur pour moi. Avant que tu ne le saches, cet homme ira tout raconter à mes parents. Écoute, je ne veux pas que cet homme aille dire n'importe quoi à mes parents. Je refuse. Et les gens le croient si facilement. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Bouchi, s'il te plaît, je suis désolée. Chikaïma, s'il te plaît, je t'aime. Il n'y a pas de doute à propos. Il n'y a pas du tout de doute. Mais le problème est que tu ne peux pas continuer à avoir des problèmes avec ce monsieur juste à cause de moi. Ce n'est pas bien. Je suis désolée. Désolée, je ne serai pas. Vraiment désolée. Oh!
Dieu, c'est là qu'elle va. Salut, beauté. Comment tu vas? Mon nom est Paul. Je m'appelle Chikaïma. Je suis originaire de l'un des villages voisins. Et qu'est-ce que tu fais ici seul, hein? Ben, c'est comme tu me vois, je n'ai pas d'amis, ni quelqu'un avec qui parler. La solitude me tord. Ne dis pas ça. Je meurs d'envie de te voir. D'être beaucoup plus proche de toi depuis la première fois que je t'avais vue. Je ne suis pas en quête d'un amoureux. Mais moi, si. Et qu'est-ce que tu veux? Ben, dis donc, je cherche un ami pour une bonne amitié. Et quelqu'un de spécial. Ok, viens avec moi. Hey! Mon Dieu, c'est merveilleux! Une très merveilleuse créature! Ah, mon Dieu! Hey, je suis chanceux, là! Oh, ben, voyons ce que ça va donner! Hein? Hey! Oh, mon Dieu! C'est merveilleux! Oh, mon Dieu! Ah, quel bonheur. Ah, Polo. Hey, voilà que tu as quitté plus tôt que moi aujourd'hui. Et te voilà en train de sourire juste comme ça. Tu peux me dire, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien, mon cher ami. Je devais quitter beaucoup trop tôt parce que je devais voir une personne très spéciale, vraiment. Ah, et donc tu veux dire que cette personne est vraiment spéciale? Et est-ce que tu pourrais me dire qui est cette personne spéciale? Regarde, hey. Tu vas la voir au bon moment. Hein? En tout cas, je sais que tu vas voir la femme de mes rêves. La femme de mes rêves, voyez-moi ça. Écoute, j'aimerais pas que tu puisses tromper cette fille spéciale. Je ne sais même pas qui elle peut être. Hein? Mais franchement, est-ce qu'avec ta situation là, tu pourras vraiment la gérer? Regarde, mais je suis en train de te dire des choses sérieuses, mais je pense que je m'aventure toujours. Pourquoi devrais-je la laisser voir? C'est une très bonne fille. Paul, moi je t'ai dit que tu vas la tromper. Tu vas tromper cette fille, peu importe qui elle est. Mec, pour l'amour de Dieu, arrête cette bêtise. Je suis pas d'accord avec toi. Ok, aucun problème. Je t'en fais pas, mec. C'est bon, je vais changer. Allons maintenant au travail. Oui, change. Arrête. Grand ça, garçon. Thank you.
Hey. Mon amour. Hello, bébé. Oh, et comment ça va? Je peux bien voir que tu travailles. Oh oui, c'est vrai, c'est comment? Baby, je t'ai apporté à manger. Oh mon Dieu, tu m'as apporté à manger? Oui, chérie. Et ça a un très bel arôme. Vraiment? Et je sais très bien que tu sais à préparer. Merci. Hey, Paul, je me dépêche au marché, hein, prendre quelque chose. Je te verrai plus tard, d'accord? C'est bien. Ok. Ok. Prends soin de toi. D'accord, chérie. Bye, chérie. À plus tard. Mon gars, hein? J'imagine. Oh, bro! Tu as de la nourriture? Où la cuillère? La cuillère? Quelle cuillère? Hein? C'est cette nourriture. C'est ma copine qui me l'a préparée. Et il y a une potion d'amour là. Potion d'amour? Voyez-moi ce qu'il est en train de dire. Mec, écoute, s'il y a une potion d'amour à l'intérieur, on va manger ça ensemble. Ça va nous prendre tous ensemble. Tu comprends ça? Que Dieu punisse l'amour, ok? Attends, qui a emmené cette nourriture déjà? Ça vient quelqu'un de spécial. Alors, mangeons tous ensemble maintenant. Allez, Paul, arrête. Allez, mangeons, non? Va chercher ta nourriture. C'est quoi ton problème? Allez, arrête de crier comme ça, non? Allez, mangeons ensemble. Hé, regarde le poisson. Un nez. C'est comment avec Paul? Vous vous côtoyez maintenant? Ha! C'est stupide, idiot. J'essayais de l'approcher, mais il agissait comme si. Oh, pourquoi? Pourquoi non? Pourquoi non? Tu es la sœur de mon ami. On est comme une famille. C'est stupide d'être humain. La façon dont je le déteste, hein. Mon Dieu. Ma chère, tu n'as pas à le détester. Ne le déteste pas du tout. Écoute, il va revenir. Avec ses deux pieds, il va revenir. Peut-être qu'il est en train de te tester. Oh, quoi, t'inquiète. Voyons, ma belle. Tu sais que je n'ai pas le temps pour le test. Il doit directement faire la chose. J'ai besoin de résultats directement. Je n'ai pas le temps. Oui. Tu as dit qu'il peut venir faire la chose. Oui. Hey, go baby. Oh, c'est... Hey. Il peut venir faire des choses. Hey. Et voilà. Ça fait un moment que je t'attendais, non? Je suis désolée, mon amour. Bon, c'est d'accord. Ma mère est à la maison, je dois m'en aller déjà. Tôt comme ça? Tu as fini toute la nourriture. Oh, bon sang. Ne suis-je pas supposée finir? C'était pas moi que j'avais préparé. Ok, bien, c'est ce que tu dis, hein? D'accord, je t'emmènerai encore d'autres, on verra. Ose, tu verras ce que je te ferai. Qu'est-ce que tu feras? Je vais te tourmenter avec mon amour, je vais vraiment te tourmenter. Hein? Ije, amour, écoute, attends-moi au bord de la rivière. Je viens puiser de l'eau tout de suite, d'accord? Oh, ok, d'accord. Allez, d'accord, c'est bon. Règle. À tout à l'heure, d'accord. Ok. Prends soin d'accord, de toi. Attends tout. Alors, au revoir. Vite à la Bye. Maison. Hein? Franchement, ma chérie. Hey, non, je te dis, hein, ça me donne envie de rire. Vraiment, c'est très terrible, tu sais. Oh. En tout cas... Moi, je suis fatiguée d'ailleurs. Tu m'avais même pas dit quelque chose à propos, c'est pas gentil, tu sais. C'est ce que tu crois. D'accord. Oh mon Dieu. Apparemment, tu as un problème que tu ne veux pas partager avec moi, ma chérie. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, j'essaie de m'aimer moi-même. Parce que Paul refuse de m'aimer. Hey, tu ferais mieux de te réveiller. Ces garçons, Paul ne fait même pas attention à toi. Ça, c'est ton opinion. Mais je te ferai savoir quand j'aurai gagné, ok? S'il te plaît, tiens-moi aussi au courant si ça ne marche pas. Apparemment, tu commences à m'énerver. C'est toi qui m'ennuies aussi. Bien, bye. Bye avec tout plaisir. N'importe quoi. N'importe quoi, toi aussi. Pouvez-vous imaginer?
Certainement, il y a quelqu'un de très spécial qui te manque. C'est pourquoi tu te caches dans le noir. Oh, maman, c'est bien vous. Oui, mon enfant. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Je l'aime beaucoup, maman. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que je peux l'aimer comme ça en une si courte durée. Oh, wow! Je crois qu'elle partage le même sentiment que toi. Oui, maman. Elle m'aime aussi. Ok. Je dois me reposer maintenant. J'ai beaucoup de choses à faire au marché demain matin. Ok. Mmh. Ne réfléchis pas beaucoup. D'accord, ok. Maman. Bien, maman, d'accord, dis maman. Mon chéri. Bien. Bien, mon ami. Ah, Paul, tu es encore en train de pleurer comme un bébé? Hein? Regarde, ne cherche pas ce que je puisse gifler sur tes joues là ou que je te donne un coup de poing. Tu ne sais pas que je suis amoureux. Allez, viens, on va aller dormir, mec. Tu regarde, mon cher, comme un bébé. Mec, si seulement je n'habitais pas dans ta maison, je t'aurais déjà brisé la rien mâchoire. Du tout. Tu ne feras rien du tout, mec. N'importe quoi. Viens, est-ce que tu as pissé? Chikanima? Papa? Attends que j'aille trouver quelque chose pendant que tu profites de te laver et... Occupe-toi aussi de cette nourriture, j'arrive, d'accord? D'accord, papa. C'est bon. Mais ce truc est une merde. Ah, la voiture que j'ai utilisée. Mais qu'est-ce qui ne marche pas avec cette voiture? Est-elle abîmée ou quoi? Kanima? Oui, papa. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec cette voiture-là. Attends que j'aille d'abord chercher où je pourrais trouver les mécaniciens. J'arrive, hein? Je ne sais pas ce qui ne va pas avec cette voiture. Alors, Oga, dites-toi, qu'est-ce qui ne va pas avec cette voiture? Est-ce que vous êtes tous sous effet de la drogue? Je vous ai fait venir pour réparer cette voiture, vous commencez à me poser des questions. Allez, voyons, refaites-moi cette voiture. Désolé, monsieur.
Vraiment désolé. Ah ah. Qu'est-ce que tu regardes? Mais pourquoi es-tu en train d'inspecter ma maison comme si c'était la maison de ton grand-père? Y a-t-il un souci? Non, monsieur. Non, désolé, monsieur. Vraiment désolé, monsieur. On s'en occupe. Désolé. Ne vous en faites pas, monsieur. Paul. Ok. Le capot, ouvre-le. Ouvre le capot, non? Mais ouvre-moi le capot, non? Attends. Attends, je vais t'aider. Tu n'es pas concentré apparemment. Attends. Allez, vas-y, bouge de là. C'est comme ça qu'il faut faire. Tu mets ta main là-dessous et puis tu soulèves le capot direct. Voilà. Paul. Oui, je suis là. Hey. Bien. Tu as verrouillé le coffre? Monsieur, vous pouvez inspecter la voiture. Oui. Oh, c'est bon. maintenant ça peut marcher. Je vous avais dit qu'on pouvait le faire. Oui. Je vous remercie tous deux énormément d'avoir été utile pour moi. Et mais je viendrai vous chercher plus tard pour que vous veniez récupérer votre argent. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez demander à votre femme de nous servir de l'eau? On a vraiment très soif. Qu'est-ce que je t'ai entendu dire? De l'eau. De l'eau? Donc, parce que je vous ai demandé de venir me rendre service, et c'est pourquoi que ma maison est maintenant devenue un supermarché? Non. Hein? Tout ce que vous pouvez faire, c'est demander de l'eau n'importe comment. Écoutez que je vous dise au cas où vous ne le savez pas. Cette petite fille que vous voyez là, c'est ma seule fille. Si vous voulez fermer vos yeux, baissez vos yeux. Si je voyais ne serait-ce qu'aux alentours de ma parcelle, vous n'aimerez pas ce que je vais vous faire. Monsieur, sérieusement, je pensais que... Tu pensais? À quoi est-ce que tu pensais? Je sais comment vous vous comportez ici dans ces villages. Vous cherchez toujours qui vous pouvez détruire. Laissez-moi vous dire si peut-être on vous a envoyé de venir demander. Si je suis encore en vie, si c'est vrai, dites-leur que mon Dieu est en vie. D'accord? Maintenant, est-ce que vous pouvez maintenant sortir de ma parcelle? Désolé, monsieur. Tu pensais? Regardez-moi ça. Oui, on s'en va, monsieur. N'importe quoi. Au revoir, papa. Merci, monsieur. Désolé, au revoir. Kaïma, s'il te plaît. Kaïma, s'il te plaît. S'il te plaît, je t'aime. Kaïma, marié ou célibataire, ça m'est égal. Kaïma, s'il te plaît, pardonne-moi. Désolé. Je t'aime, peu importe le problème. Je t'aime, Paul. Je t'aime aussi, Kaïma. Je suis désolée. Je suis vraiment, vraiment désolée. Désolée. Je suis désolé. Mmh.
Hey. Oui. Hey, qu'est-ce que tu Ego. Veux? Qui est-ce que tu es venu voir? Allez, Ego, s'il te plaît. S'il te plaît, quoi? Vas-y, parle, non? Je n'ai pas assez de temps. Je vais voir Paul. Paul? Quel Paul? J'ai pensé que tu étais une femme mariée. Hein? Pourquoi es-tu venu voir Paul? Pourquoi? Ego, je sais que tu me hais. Oh. Moi, ça me va. Pour ton information, je ne suis mariée à qui que ce soit. Et ouais, mon père. Hein? Owa. Oui. Owa, ton père? Oui. Ah. Enfin, est-ce que je peux voir Paul maintenant? Bien. Paul n'est pas à la maison. Et qui a dit ça? Bébé, viens, s'il te plaît. Attends, Paul. Paul, attends, attends un instant, attends. Allez, arrête, arrête, Paul. Ce n'est pas pour ça que je suis venue ici. Ce n'est pas pour ça que je t'aime. Oh, bon sang. Allez, Paul, arrête, non? Est-ce que je peux arrêter ça? Non, je te demande, est-ce que tu peux arrêter ça? Écoute, écoute, attends, attends. Ça vient de l'intérieur, mais en fait, c'est naturel. Je sais, mais je n'en peux pas. Owa, papa Owa, Nine Owa. Non, mais qu'est-ce que c'est? Hein? Qu'est-ce que c'est encore? Qui est mort? Hein? À chaque fois, tu portes toujours de mauvaises nouvelles avec toi. Hein? Qu'est-ce que c'est? Bien. Cette fois, je crois qu'il te va beaucoup aimer. Nine Owa, s'il te plaît, préviens ta fille. Préviens-la de rester loin de mon petit ami, s'il te plaît. Peux-tu la fermer? J'ai dit ferme-la. Regarde-toi. Pendant que tu es censé être en ce moment en train d'aider tes parents à la maison, tu es là en train de marcher par-ci, par-là, parlant de petit ami. Maintenant, laisse-moi te demander, c'est qui cet imbécile qui accepterait de t'avoir comme petit ami? Comme ça? De toutes les façons, Nine, je dépasse bien ta fille. Hein? Je la dépasse, oui. Est-ce que je t'ai entendu dire ma fille? Oh. Attends-moi là. Chikanima? Oui. Où est-elle? Maintenant tu parles. Je t'amènerai là-bas. Laisse-moi va me montrer où elle se trouve. T'inquiète pas. Laisse-moi t'amener là-bas. Hein? Allons-y. Allons-y. Tu verras de tes propres yeux. Attends, tu vas voir. Thank you.
Hey, abomination. Hey, hein? Pardon. Qu'est-ce que pardon. C'est hey. 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 Oh. Hey. Chekanima. Hey. Non, non, donc c'est ça ta rivière. Et donc c'est ici que tu viens puiser de l'eau, hein? C'est ça? Attends, tu vas voir ce que je vais te faire. Allez, papa, avance. Papa, viens. Papa, avance. Tu blagues avec moi. Papa, hein? Tu blagues avec moi. Papa. Est-ce que ma nourriture est prête? Quelle nourriture? Quelle nourriture? Mon ami, prends ces bidons et va dans la rivière puiser de l'eau. Tu mangeras à ton retour de la rivière. Laisse-moi te dire, hein, c'est un mensonge. Si je ne trouve pas à manger, je n'irai pas trouver de l'eau. Hey! Qu'est-ce que j'entends là? Wameze! Écoute, c'est ma nourriture et je décide quand te les donner. Eh bien, tu ne peux qu'aller trouver de l'eau toi-même. Moi, je te demande à manger. Tu me réponds. J'ai parlé pour tu parles. Mais qu'est-ce qu'il y a? Le diable t'a touché. On verra. Si moi je suis ton aîné, on verra. Tout ce que tu peux dire, c'est nous verrons. Pendant que moi je cherche à manger et que tu ne veux même pas me le donner. Et tu m'envoies par force. Et tu m'obliges aussi d'aller te trouver de l'eau. Tiens. Franchement, cette histoire, elle est vraiment incroyable. Quelque chose qui ne s'est jamais passé avant. Ah. Ok. Que je me mette ici. Donc, c'est arrivé maintenant jusqu'à ces points. Chikanima. Hey! Les gens de ces villages. D'accord? Que je me mette et que j'attende la voir. Et que je sache, entre elle et moi, c'est qui est la tête de cette famille? On te dit de rester à la maison et de ne pas essayer de suivre les gens de ces villages. D'accord? Hé, papa, je suis déjà rentré. Peux-tu la fermer, te mettre à genoux? J'ai dit ferme-la et mets-toi à genoux. Papa, qu'est-ce que je fais de mal? Qu'est-ce que tu as fait? Hein? Tu es maintenant en train de me demander. Hein? N'étais-je pas averti de rester très loin de gens de ces villages? Ne l'ai-je pas fait? Hein? Maintenant, je veux que tu me dises dans un langage précis. D'où est-ce que tu viens? J'étais allé à la rivière puiser de l'eau. Chikanima, donc c'est même arrivé jusqu'à ce point où tu vas continuer à me regarder au visage et que tu me mentes? Non. Hein? Non, ok. Non. Montre-moi l'eau que tu as pu puiser là-bas à la rivière. Je l'ai laissée avec Isiné. Et son petit-fils a refusé d'aller à la rivière puiser de l'eau pour elle. C'est pour qu'elle m'a demandé de le faire. Écoute, laisse-moi d'abord te dire, mon amour. Les mensonges et les larmes de crocodile comme ça ne me font pas trembler. D'accord? Maintenant, laisse-moi t'enseigner une leçon papa, que tu dois apprendre. N'essaye même pas de lever. Parce que non, si seulement tu oses me chercher. S'il te plaît. Parce que si seulement tu oses me chercher, je vais t'apprendre quelque chose que tu ne veux pas. S'il te plaît. Tu blagues avec moi. Toi là, au lieu de te casser, tu sais quoi? Je vais te casser. Tu sais quoi? Tu seras cassé. Attends seulement. Né? Non, mon Dieu. Mais, c'est qui t'a fait ça? Tu vois ce que tu m'as causé. Comment ça? Moi? Comment? Non, c'est moi. Si j'avais puisé de l'eau pour résiner...
Oh, n'allez pas me battre comme ça. Hey, mais comment ça encore? Laisse-moi te dire une chose. Ce type-là est un type à problème et violent. Et tu dois aussi aller avec lui violemment. Oh! Comment suis-je supposée le faire? Écoute, si seulement il essayait d'avoir une idée de faire quelque chose. Tu es intelligente, non? Toi aussi, tu essayes de serrer tes poings. Et qu'après, tu lui donnes une sale gifle. Tu dois certainement être malade. Attends, je suis malade dans ma tête. D'accord, je suis malade dans ma tête. D'accord, pas de problème. Nous tous là, nos têtes, nous sommes malades dans nos têtes. Nous sommes malades dans nos têtes. Et c'est juste moi. Mais je sais que je ne suis pas malade. Oh. Mais, d'accord. Je crois que moi, je t'ai déjà dit. Oh. Toi, tu blagues avec moi. Hein? Tu blagues avec moi. Hein? Allez, viens ici. Allez, mets-toi chez nous. Tu vas te mettre chez nous. Mets-toi chez nous. J'ai dit, mets-toi chez nous. 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 Où est-ce que tu essaies de partir? Tu penses que je suis là pour blaguer avec toi? Tu penses que je suis là pour blaguer avec toi? Tu blagues avec moi? Tu blagues avec moi? Quoi? Je vais te tuer. Est-ce que c'est toi ou moi? Hein? Ezine, tu es en train de commettre une erreur. Oh. Je sais pourquoi je t'accorde tout ça. Je sais. Mais elle va revenir et me trouvera ici. Elle va venir me trouver ici. Ça veut dire qu'elle ira et me trouvera ici. Pas de problème. Je m'en vais. On va se voir. Je te jure que c'est que je vais te faire. Kama. Oui, maman. Waouh. D'accord, merci. Waouh. Mais, qu'est-ce que tu as encore fait? Il m'a fait embrasser un homme. Hey! Ah mon Dieu! Venez voir! Je ne fais pas confiance aux femmes. Elles ne font que chercher de problèmes. Ferme-la! Kaïma, comment peux-tu? Comment peux-tu faire une chose pareille? Et d'ailleurs, tu mérites vraiment une bonne frappe. Même tout ce village peut te frapper vraiment à mort. C'est quoi ça? D'ailleurs, je commence avec ma part ici. Ziné, s'il te plaît, je ne suis pas mariée à lui, c'est mon père. Hein? Hey! Tu mens! C'est le mensonge, tu mens! Je ne suis pas en train de mentir, vous pouvez le demander à ma mère. Tu es une menteuse! Hey, je ne savais pas c'était Chikodi. Wabweze, tu la connais? Ah, quoi ça? Tu ne sais pas? Es-tu nouvelle dans ce village? Qui ne connaît pas Chiko dans ce village? Né, comment va-t-elle? Elle est déjà morte il y a 3 années passées après mon accouchement. Mon Dieu! Hey! Abouezé, tu n'as que 20 ans. Comment connais-tu Chikodi? Hey! Mais c'est quand même normal que je la connaisse. Moi, je trouve que c'est normal. J'aime toujours te mêler des affaires qui ne te concernent pas. Hey! Chikanima, mais qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Hein? Mais pourquoi tu t'es décidé d'amener la honte sur cette famille? Papa, s'il te plaît, je suis désolée. Je te prie de me pardonner. Ce n'est pas ce que tu as vu. Non, que je te pardonne et que ce n'est pas ce que j'avais vu. Hein? Non, maintenant, dis-moi, si ce que j'avais vu, ce n'est pas ce que j'avais vu. Donc, c'est plutôt quelque chose d'autre. Et c'est quelque chose d'autre, c'est ce que je veux exactement, c'est ce que je veux savoir. Maintenant, dis-moi. Il est juste un ami, papa. Hey, juste ton ami? Oui.
Parce qu'il est ton ami, maintenant tu t'autorises même à aller jusqu'à embrasser n'importe qui et n'importe comment. Tu peux embrasser n'importe qui parce qu'il est ou elle est ton ami. Oui, tu peux continuer. Continue et embrasse-moi, ton père. Enfant raté. Après toute l'éducation que je t'ai donnée, tu continues à te comporter comme si tu étais une personne qui manquait quelqu'un qui peut prendre soin d'elle. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi es-tu en train de faire tout ça? Dis-moi, pourquoi es-tu en train de faire tout ça? Je suis très, très déçu de toi. Je suis vraiment déçu de toi. Pardon. En tout cas, je suis déçu. Pardonne-moi. Papa, je ne veux même pas te voir. S'il te plaît, papa. Papa, ne fais pas ça. Papa. Où étais-tu? Fous-moi la paix, s'il te plaît. Tu vois le pétrin dans lequel tu m'as foutu. Je suis sincèrement désolé, mon amour. Et je crois que je devais te voir immédiatement. Pour que tu me causes plus de problèmes. Non, je ne veux pas. Va-t'en, bonne nuit. Bonjour monsieur, en quoi puis-je vous aider? Je crois que ma voiture a encore un petit souci, hein? Oh, vraiment? Essayez de vérifier. Je reviens très bientôt. J'arrive. D'accord monsieur. Sois rapide, hein? Sans problème monsieur. Ok. Mec, c'est comment ici? Hey, je t'en prie, hein. Aide-moi à ranger ce pneu-là. Tu sais, non, c'est une petite chose. Juste le pneu. Oui, juste le pneu. D'accord, alors, comme ça, moi, je vais aller réparer cette voiture que j'ai fait là-bas, ok? Ne perds pas de temps. Bon, d'accord, ça va.
Aïe. Ah, je vois vraiment qu'il a bien réparé ce pneu apparemment. Ça, c'est bien. Ok, d'accord. Paul! Mais qu'est-ce qu'il fait exactement? Paul! Paul! Vous êtes là? Oui. Et comment est-ce que ça se passe? Tout va bien. Voilà, c'est fini, monsieur. Tout va bien, c'est ce que tu dis, oui. Même le pneu. Oui, monsieur. Es-tu sûr? Oui, monsieur. Alors, c'est lui-ci? Je l'ai réparé, Ok. Ok. Ok, c'est bien. Vous avez fait un très bon travail et c'est très bien. Je vais vous revenir, d'accord? Faudrait que j'aille d'abord le vérifier. Vous avez quelque chose pour moi? Calme-toi, ce n'est pas grave. Je verrai ce que je pourrai faire plus tard. Que j'aille d'abord essayer. D'accord? Paul! 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 Mais monsieur, vous n'avez rien laissé pour ce garçon? Mais monsieur, vous n'avez rien pour le garçon? Ne t'inquiète pas, comme j'ai promis, je reviendrai vous voir. Paul! Bienvenue, papa. Comment vas-tu? Je vais J'espère bien, que merci. Tout va bien. Prends-moi mon sac, s'il te plaît. Kaïma, c'est moi. Oh mon Dieu. Tu es entré ici. Désolée. Mais comment tu es entré ici? Ne t'en fais pas, je peux t'expliquer. Quitte-la. Laisse-moi faire entrer les sacs, hein. Je te reviens, d'accord? D'accord. Un instant, s'il te plaît. Désolée, chérie, lève-toi. Lève-toi, viens avec moi, viens. On va derrière la maison. Tu n'iras plus en ville? Que cette réunion de conseil ou peu importe attende. C'est quoi encore le problème? Qu'est-ce qu'il y a? Parle-moi. Ne vois-tu pas? N'as-tu pas de yeux? Elle a découché. Et après, hein? Ça fait quoi? Permets-moi de te le dire, Kaïma est une adulte. Alors il faut la donner de l'espace. C'est quoi ton problème? Ezine, ne permets pas que je te dise ferme ta bouche. Tu me l'as déjà dit. Mais qu'est-ce que tu n'arrives pas à comprendre? Laisse-moi te dire, Chikanima, ma fille, elle est encore enfant. Et aussi longtemps qu'elle est encore sous mon toit, elle doit être disciplinée. Elle doit respecter tout ce que je dis. Peut-être lorsqu'elle sera mariée, elle pourra vivre sa vie de la manière dont elle veut. Mais maintenant, qu'elle est encore sous ses toits, elle doit m'obéir. Laisse-moi te demander, comment va-t-elle se marier? Dis-moi comment elle va se marier si elle ne côtoie pas quelqu'un. Dieu sait qu'il doit l'épouser. Attends un peu. Permets-moi de te demander, planifies-tu de l'épouser? Planifies-tu de l'épouser pour que tu la fasses souffrir comme tu l'as fait à sa mère? Oui. Oui. Mais comment peux-tu dire tout ça? Ezine,
Je vois maintenant que tu commences à dire n'importe quoi. Il ne permet pas que je fasse quelque chose que tu ne veux pas aimer. Je te dis maintenant, peux-tu partir? Voici le chemin. Sors de ma maison maintenant avant que je fasse quelque chose que tu ne vas pas aimer. Fais-le. Hein? C'est ce que tu es venu me dire. Va-t'en. Je veux partir. J'en ai pas besoin. Je veux partir. Je pars. J'en ai pas besoin. Je veux partir. Mais permets-moi de te dire, ne fais rien de stupide. J'étais énormément respecté. Allez, sors de ma maison. Donc tu me chasses, c'est ça? Tu es en train de me chasser. Hein? Tu as le courage de me pousser. Tu me chasses de ta maison. Tu m'as chassé de ta maison. Regarde-moi, c'est n'importe quoi, c'est tout ce que tu peux dire. Il faut la tuer. Si c'était toi, ta propre fille. Tu l'as, c'est ta fille. Tu. Tu l'as. Fais d'elle ce que tu fais. N'importe quoi. Comme ça, quel Dieu. Si tu seras seul. Et à cause de ça, tu. Alors, le seul, il doit se perdre. Au lieu de beaucoup parler, j'ai n'importe quoi. Et c'est pourquoi même tu ne peux pas vivre chez ton mari. À chaque fois, tu reviens dire n'importe quoi. C'est des choses que tu ne connais même pas. N'importe quoi. Provoque-moi. Qu'elle parte et qu'elle revienne. Si tu es celle qui l'envoie, je le saurai. Qu'elle parte et qu'elle revienne. Elle va me trouver ici. Elle reviendra, elle saura comment je vais finir avec elle. Elle doit apprendre les bonnes manières. Elle doit savoir que je suis son père. Oh. Hein? S'il te okay. plaît. Tu es de retour, hein? Hein? D'où est-ce que tu viens? Hein? Tu ne fais pas entendre. Tu ne fais pas entendre. Entre la maison. Dieu merci, t'as pas tué. Il ne m'a rien fait. Il n'a rien fait de grave. Je remercie Dieu pour ça. J'ai dû merci à Dieu. Et d'ailleurs, Né, ta température est élevée. Oui, maman, je me sens tellement faible ces derniers temps. Je me sens très faible. Désolée. Je suis désolée. Oui, maman. Je crois que c'est juste à cause de tes menstrues. Hein? Maman, je sais que ça a toujours été comme ça. Hein? Je ne suis pas sûre. Tu n'es pas sûre? Hey. Ok. Si c'est comme ça, hein? Je t'amène quelque chose à boire. Et là, ça va un peu te stabiliser. Ok? Et puis, tu vas te reposer. Maman, merci beaucoup. C'est très gentil. Né? Mm-hmm. Je voulais certainement te demander quelque chose. Quoi? Est-ce que c'est vrai que Wezo Ke, ton père, a tué Chikodi, ta mère? N'est-ce pas vrai que tu as un problème avec ta tête et que tu ne veux pas te soumettre à un traitement? Est-ce que tu me parles de cette manière? Toi, es-tu folle? Tu blagues avec moi? Hey! Ma chère, tu es enceinte. Qui? Moi, maman? Non, moi. C'est moi. Et je suis sûre que tu connais où se trouve le père de cet enfant. Ezine? Awa. As-tu été capable de découvrir ce qui ne va pas avec elle? Oui, je puis. Et je crois que je vais la trouver quelques feuilles médicinales. Et ça ira mieux. Ou bien devrais-je l'amener à l'hôpital une fois pour toutes? Non, papa. J'opte pour ce que Ezine a dit. Je vais utiliser les herbes. Parce qu'elle est comme ça depuis tous ces temps et je ne veux que rien ne lui arrive. Je sais, ça ira mieux avec les herbes que je vais lui donner. Ça ira, papa. Tu as vu dans quel pétrin tu es? Dis-moi, c'est qui les propriétaires? Vous n'écoutez pas, vous, les enfants. Kaïma, au fait, attends, je n'arrive pas à comprendre. Regarde, viens d'abord. Hein? Non, mais Kaïma, c'est quoi le problème? Hein? Paul, je suis enceinte. Enceinte? Donc, tu veux dire que tu es enceinte? Oui.
C'est à moi? C'est quelle stupide question comme non, ça? Non, je suis désolé. Non, c'est pour mon père. Calme-toi. Attends. Regarde, je suis à la fois confus, à la fois heureux. Non, non, s'il te plaît, ne sois pas confus. Qu'est-ce que nous allons faire? Comment est-ce que tu viens m'épouser? T'es épousée? Comment? Ah oui, non. Non, attends. Je comprends. Mais calme-toi, d'accord? Calme-toi. Ça va passer. Ça va. Il y a un problème, un grand problème. Oh mon Dieu. Alors, au point où on en est maintenant, c'est quoi que tu comptes faire au juste? Ce cerveau n'arrive pas à fonctionner. Ah. Cette fille porte mon enfant. Kaïma est enceinte de moi. Ah. Seigneur. Ah. Oh. Oh mon Dieu. Hey. Qu'est-ce qui m'arrive? Au point où on en est, hein, tu devrais penser à faire quelque chose rapidement. Parce que son père va complètement nous chasser de ce village. Exactement. Ah. À part Dieu, et cet homme constitue une grande peur pour moi. Oh, mon Dieu. Quoi qu'il en soit, je crois que tu devrais quand même te calmer. Hein? Prends bien soin de toi, d'accord? Maman, il n'a rien dit. Ne te dérange pas. Je pense qu'il est sous le choc. Voilà pourquoi il n'a rien dit. Je l'espère bien. Kaïm, permets-moi de te demander. Est-ce qu'il t'aime? Ou tu l'aimes réellement? Tu veux vivre avec lui? Tu comprends? Comme mari et femme. Maman, je l'aime et nous nous aimons énormément. Nous nous aimons réciproquement. Là, c'est bien. Ça, c'est bien. Écoute, prends mes conseils. Il ne va pas t'épouser, oh. Tout ce que tu vois ne sont qu'impressions, oh. Il ne va pas t'épouser. Alors, va avorter cette grossesse. Je ne cesse de dire que tu es fou. Tu ne sais rien d'une relation amoureuse. C'est pourquoi tu dis des choses comme ça. Laisse-moi être avec ma mère qui me comprend. Ça, toi, tu ne comprends rien de la vie. Tu ne sais rien. Tu crois que c'est de l'amour. Il est là-bas et toi, tu dis que vous vous aimez l'un l'autre. Vous vous aimez. C'est ce que tu crois? Attends à la fin, tu le sauras. Ferme-la, et où? Hey, Kaïma, écoute, je crois que tu dois seulement avorter. C'est la meilleure des choses à faire. Ego, qui t'a dit que j'étais enceinte? Je les ai entendus discuter à propos de cela. Paul et Anouké. Lesquels d'entre eux a suggéré l'avortement? C'est bien Paul. Oui, il a dit qu'il n'est pas prêt pour te prendre comme une femme. Que sa véritable intention te prenne pour un cobaye. Je crois qu'il plaisante. Dis-lui que je ne suis pas prête à passer par l'avortement. Kaïma, attends, non? Chief. Jeune fille. Monsieur. Pourquoi me fais-tu arrêter? C'est quoi le problème? Hein? Alors tu penses que, même si je pouvais porter quelqu'un, tu penses que ça peut être quelqu'un comme toi? Qui ne sait même pas ce que faire et à chaque fois tu déambules par-ci par-là. Pendant que tu es censé aller aider tes parents à une ou deux choses. Ego! Qu'est-ce que t'apportes cette fois? Nayewa, ceci va te décevoir. Je ne veux prendre rien en retour. Hey! N'importe quoi. Tu dis que tu n'es pas là pour ça, mais tu es en train de t'agiter et de stopper tous les hommes que tu vois. Hein? Naïn, vas-y, avance. Insulte-moi. Hein? Naïn, vas-y, insulte-moi. De toutes les façons, je vais venir chez toi. S'il te plaît, prenez ceci. Hein? Dis à Kaïma de prendre ceci. Le docteur a dit qu'il viendra très tôt matin pour son avortement. Prenez, non? Ah, s'il te plaît. Kaïma,
Est-ce que c'est vrai? Ne te dérange pas trop. Nous sommes en train de chercher une solution. Hein? Et toi et qui? Moi-même et Kaïma. J'ai déjà parlé avec quelqu'un qui va l'avorter. C'est un spécialiste. Et elle veut avorter? Oh oui, mais c'est la seule chose que vous pouvez faire maintenant. Oh, es-tu prêt pour prendre une femme? Dans quelle maison? Dans cette maison? Mon cher, tu dois vraiment réfléchir. Ego, je pense qu'il y a quelque chose que tu ne veux pas me dire. Je complote. C'est vrai ça? Pas encore. Qu'est-ce que tu planifies cette fois-ci? Bien, ces derniers temps, elle est enceinte et confuse. Qui est enceinte? Kaïma. Hey! Kaïma est enceinte? Oh, pauvre fille. Et oh. Hey! Imao. Hey! Hey! Donc, tout ceci n'est ça qu'en vrai? Donc, en vrai, c'est ça la rivière et puis tout ça? Mets-toi là. Papa. Assois-toi là. Je veux te parler. Pendant tous ces temps, j'étais conseillé de l'extérieur, gardant silence. Croyant que tu seras en train de grandir et seras en train de me rendre, et bien sûr cette famille fière. Mais tout ce que j'ai pu obtenir de toi, c'est le déshonneur et la honte. Les déshonneurs et la honte. Essaie un peu de te regarder. Les gens seront peut-être en train de penser, maintenant, voilà qu'il crie, il crie. Oui! Parce qu'un proverbe, Ibo dit ceci. Celui qui crie à chaque fois ne serait pas en train de crier en vain. Il veut que certainement quelque chose change. Je n'écris pas en vain, j'écris pour que tout le voisinage entende le son de ma voix. Comme si je ne savais pas ce qu'il fallait que je fasse avec toi. Si tu ne sais pas, regarde ce que tu t'es fait. Tu y es maintenant enceinte. Oui, bien sûr que tu es surprise de savoir que moi aussi je le sais déjà. Est-ce que ce n'est pas vrai? Est-ce que tu peux me répondre? Est-ce que ce n'est pas vrai? Réponds-moi avant que je fasse quelque chose de stupide. Est-ce que ce n'est pas vrai? Oui, papa. C'est vrai. Oui. Maintenant, c'est qui cet idiot? Papa, il n'est pas un idiot. Tu... Mais avec quel courage oses-tu me dire qu'il n'est pas un idiot? Es-tu stupide? Veux-tu que j'en finisse avec toi? Donc tu as quand même le courage de me dire que il n'est pas un idiot. Si tu savais, si tu sais ce que je peux te faire maintenant, si c'est moi, je levais ma main sur toi. Tu sauras avec quelle matière je suis fait. Maintenant, dis-moi, qui est-il? Qui est-il? Et où est-ce qu'il habite? Parle-moi. Oh, quelqu'un, parle-moi. Hey, c'est fait. Tu as fait quoi? Je me suis assurée. Quoi? Hey, tais-toi. Écoute-moi très bien. Qu'as-tu fait? Je me suis assurée de détruire la relation de Paul et Kaïma. Es-tu sérieuse? Comment as-tu pu? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu ne comprends pas qu'ils sont amoureux? L'amour est parti. Hey! Oh, tu es vraiment méchante. Yeah, depuis que Paul a choisi une femme mariée, que moi et Bonobo, une fille fraîche, voyons, non? Et quand tu n'es pas une bonne personne,
Attends d'abord, donc tu penses vraiment avoir toujours cette illusion que Paul va continuer à t'aimer? Ego, tu me fais rire. Ego, tu es en train de dormir. Tu ferais mieux de te réveiller, Ego. S'il te plaît, réveille-toi du sommeil. Hey, tu n'es qu'une mauvaise. Il ne le fera pas. Il reviendra méchante. Vers moi. Hey, sorcière. Je te le dis, il reviendra mon vers Dieu. Moi. N'importe quoi. C'est quoi ça? Où est cet idiot? Où est ce bon à rien, cet idiot? Où est cet inutile? Polo, où est-il? Polo, est non, mon Dieu. Montrez-moi cet idiot, c'est bon à rien. Hey. Hein? Alors, tu l'as finalement fait, hein? Tu l'as finalement fait. Tu verras. Oh. Papa, on se préparait pour venir vous voir, oh. Vous vous préparez de venir me voir. Exacto. Vous vous préparez pour venir me voir. Et maintenant, vous avez rendu ma fille grosse. Hey. Ne t'inquiète pas. Très bientôt, tu vas mourir. Hey. Idiot, regardez-moi sa tête. Non, non, ne savez-vous pas qu'on est amoureux l'un de l'autre? Mais... Hey! Regardez-moi cet idiot, il parle d'amour. S'il te plaît, hein? Papa, arrête. Es-tu amoureux? Regardez-le. Calmez-vous, papa. Regardez-moi cet inutile. Je vous en prie, calmez-vous. Qui connaît-tu à propos de l'amour? Je vous en prie, calmez-vous. Oh! La seule manière que tu peux prouver à ma fille que tu l'aimes, c'est juste en essayant de la rendre grosse. Et hey, tu parles d'amour. Tu as compris l'amour. Que Dieu te punisse. Que Dieu te punisse. Permets-moi de m'occuper de lui, que je lui montre papa, qui je suis. Calmez-vous, s'il vous plaît. Je vous demande pardon. Les gens sont en train de tu regarder. Tu parles d'amour. Hein? Laisse-moi te dire. Très bientôt. J'ai dit très bientôt, tu vas mourir. Hey. Hein? Regarde-moi. Regarde-moi, tu vas mourir. Aïe. Dieu va te punir. Papa, je vous prie, calmez-vous. Allons-y. Toi. Je vous en prie. Hey. Tu sauras qui je suis. Oh, Polo. Tu vois maintenant? Hein? Mon cher, j'en ai marre. Hein? Tu en as marre, hein? Hey! Pourquoi est-ce que tu l'as mis enceinte, non? Hein? Hey, tu ris. Tu sais, tu vois que je l'aime. Tu l'aimes? Laisse-moi. Hey, écoute, j'en prie, hein? S'il te plaît, aide-moi. Alors, que vas-tu faire maintenant? Ah, je ne sais pas. Mon père est tellement en colère contre moi. Quels parents qui ne peuvent pas se fâcher? Hein? Maintenant que l'école arrive à la fin, d'où vient encore ce problème? Pour l'amour de Dieu, vas-tu accepter qu'un enfant puisse te faire ce genre de choses? Vas-tu aimer ça? Dis-moi un peu. Mais seulement, je ne vais pas avorter. Je ne vais pas non plus arrêter avec mes études. Personne t'a demandé d'avorter. Là, c'est ce que Paul me demande. Paul? Qui t'a oui. dit ça? Ego Bundu. Ego Bundu. Ego Bundu est une menteuse. Elle est vraiment une grande menteuse. Elle veut prendre ta place et devenir la copine de Paul. Es-tu sûre? Oui, très très sûre. C'est ce qu'elle veut. Ego Bundu. Écoute, je comprends très bien comment tu te sens. Paul ressent la même chose lui aussi. Non, hein? Ce n'est pas la même chose. Si c'était le cas, il allait venir me voir depuis. Même quand j'essaie de le voir, je crois qu'il souhaite que je m'évanouie, je crois. Mais non, 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 non. Comment peux-tu dire une telle chose, hein? Ce n'est pas possible, non. Ah. D'ailleurs, c'est lui qui me demande de faire l'avortement. C'est pas possible. Quoi? Avorter? Mais non. Dis-lui qu'il plaisante. Moi, Kanima, je n'avorterai pas cet enfant. Hey! Pas du tout. C'est pas possible. Non, 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 non. Ah! C'est pas possible, non? Comment a-t-il pu dire une telle chose, non? Ah, non, 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 non. C'est pas possible. Non. Gars, comment est-ce que tu as pu? Comment est-ce que tu as pu, non, Paul? Hein? Hein? Comment as-tu pu? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Comment est-ce que tu peux lui demander d'avorter l'enfant qu'elle a dans son ventre? Moi, que Dieu m'en épargne. Comment? Quand? Où? Hein? Tu sais, j'ai pensé aussi. Oh. Attends, oh. Kanima, attends-moi. Kanima! Hey! Le temps est parti. Où est parti, Okechuku? Il est là. Ah! Et... Hein? Où étais-tu? J'étais juste allé prendre quelque chose là-bas. Ok. Paul. Oui, maman. Je sais que tu es sous pression à cause de la nouvelle de la grossesse de Chikaima.
Mais tu n'as pas à t'inquiéter. Obika ne doit pas rester un garçon. Hmm? Obi doit devenir un homme. Ça, c'est vrai, maman. Très bien. Qu'est-ce qui te fait mal? Obi ne peut pas devenir un homme juste en enceintant son amoureuse comme ça. Ferme ta bouche. Tu n'as rien d'intéressant à dire. Pourquoi tu t'interfères dans cette affaire? Et c'est comme je disais avant. Prépare-toi pour la prendre en mariage. Je te donnerai tout le soutien. Oh, maman. Tu vas m'aider? Je te donnerai tous ces dons que tu auras besoin. Merci beaucoup, maman. Que Dieu te bénisse. Qui te bénisse aussi, mon fils. Ok? T'inquiète, hein? Ça ira. Je dois m'en aller maintenant, merci, d'accord? Merci. Okay. Ok. Et toi, continue de t'accrocher à la nourriture. C'est bon, je vais au marché, je t'apporterai à manger. Bye, maman, d'accord. D'accord, maman. Trouve-toi une occupation. Tu as assez grandi. Toi, t'es marié. Écoute, tu penses que tu seras assis dans le mariage, hein? Dis-moi. À quoi est-ce que ça sert? Paul, utilise ça. Utilise ça sur tout ce dont tu as besoin pour venir demander ma mère en mariage. Arrête. Je ne peux pas prendre ça, d'accord? Paul, puisque tu ne m'aimes pas assez pour m'épouser, sache que moi je t'aime et que je peux t'épouser. Moi je vais t'épouser, Paul. Utilise ça pour l'organisation. Non, attends d'abord. Oh, mon Dieu. Oh! Maïmena, Imena. Hey. Paul, comment était le mariage? Écoute-moi, si j'entends encore une seule voix de toi, tu vas voir une autre partie de moi. Ha. Maman, c'est bon, allez en intérieur. Allez, viens, doucement. Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Qu'est-ce qu'il y a aussi de drôle pour que tu te mettes à rire? Allez, je t'en prie, t'occupe pas d'elle. Idiote. Qu'est-ce qui te fait marrer? C'est quoi? Hein? Qu'est-ce qui te fait marrer? Laisse-la, allez à l'intérieur, je t'en prie. Allons-y. Tu as du mal à te comporter selon ton âge, je vais te recadrer. Allez, je t'en prie, laisse-la, allez à l'intérieur. Qu'est-ce que je fais maintenant? Regarde-moi, moi. Hey, les merveilles ne finiront jamais, oh. C'est quoi le problème? Tant que je suis en vie, oh, je vais me marier. Oh, gna. Tu es une enfant aussi de son honte. Tony, mais qu'est-ce que je n'ai pas fait pour toi? J'ai tout fait pour toi. Maintenant, dis-moi, ne t'ai-je pas donné de la nourriture? N'ai-je pas pris soin de toi? Je pouvais plusieurs fois me sacrifier. Je pouvais sacrifier mes propres besoins pour les tiens. Tu veux emmener la honte sur ma propre famille? Kalima, en ces jours, je t'ai renoncé. À partir de ce jour, tu ne seras plus ma fille. Tu es une enfant aussi déshonorante. J'ai très honte de toi. Et même ta devinte mère, où elle se trouve en ce moment, aurait honte de toi. J'ai fait tout ce que je pouvais pour te donner la vie, pour t'élever. Et j'ai fait tout ce qu'un père qui aime son enfant peut faire. Mais tu as dit que c'est les deux hommes, la honte que tu veux.
Tu es maudite. S'il te plaît, laisse-moi la vie. Attends. Papa, aie pitié. Papa, ne me maudis pas. Ah. Papa, essaie de me comprendre. Voilà maintenant. Je lave mes mains. Tu veux vraiment que je fasse ceci? Tu veux vraiment que je fasse ceci? Papa, je t'ai donné la vie. S'il te plaît, papa. Je t'ai donné la vie. Mais tout ce que tu peux me payer avec, ce n'est que la honte. La honte. La honte. Je lave maintenant mes mains. S'il te plaît. Et ça signifie que je te tourne le dos. Peu importe papa. Ce que tu vas commettre. Peu importe la malédiction que tu auras cherchée de toi-même. Sera sur ta propre tête. Papa, s'il te plaît. Papa, ne fais pas ça. Papa. Les dieux de notre terre. Tous mes ancêtres. Je lui ai donné la vie. J'ai pris soin d'elle. J'ai fait tout ce que je t'ai censé faire comme un père qui aime son enfant. Pour m'assurer de lui apporter de l'espoir. Mais au lieu de me donner en retour de l'amour, elle s'est décidée de me payer en apportant de la honte sur ma famille. Pendant que les gens ont beaucoup à dire au sujet de la mort de ma femme et sa mère, je continue à essayer de me battre. Je continue à essayer de prouver d'abord envers elle. Papa, je suis désolé que tu sois mauvais sort sur moi. Comme je suis en train de laver mes mains pour elle. Peu importe quelle malédiction. Papa, ne vous inquiétez pas de vos responsabilités. De tes fautes. Sera sur ta propre tête. S'il te plaît. Comme je vais jeter cette eau. Je te tourne le dos. Va-t'en. Comme je t'ai montré mon dos, ça signifie que je t'ai tourné le dos. Papa, papa, s'il te plaît. Papa. Il dit qu'il ne veut plus me voir et que je dois partir de la maison. Il a dénoncé de moi étant sa fille. Hey! Hey! Tu veux dire qu'il t'a fait tout ça? Hey! Mon frère là est méchant. Il est vraiment méchant. Je voudrais être fort plus que lui pour que je le saisisse et le réduire en pièces. Hey! Ça, c'est l'enfant. Oh, mon Dieu. Il m'a chassé de la maison avec tous mes bagages. Il ne veut plus me voir chez lui. Et d'ailleurs, je souhaite défaire ma main sur lui. Pas de problème. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer, je t'en prie. Oui. S'il est tellement stupide pour te mettre dehors, moi, je suis là pour toi. Je ne peux pas te mettre dehors. Viens rester ici avec moi. Ma maison, c'est ta maison. Entre. Okay. Entre à l'intérieur. D'accord. Entre. Tu peux rester avec moi. Je ne sais pas où. Alors maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Je ne sais pas où. Tu ne sais pas? D'accord alors. J'ai quelques petites idées, je crois que tu pourrais les adopter. Je t'écoute. Qu'on fasse ceci, accepte que je t'épouse, que j'adopte l'enfant et qu'on divorce après quoi? Abusé. Mais c'est quoi? Tu es pourquoi fou. Est-ce que tu... Oh, mon Dieu. Allez, va-t'en, je ne suis pas prête pour tes humours et des blagues, Marie en devenir. Tu je te donne des idées qui pourront t'aider et tu dis tout ça. Et c'est pas mon problème. Va-t'en. Mon mari en devenir. Du n'importe tu quoi. Ne connais absolument rien. Oniara. Maman, hein? Bonjour à toi. Oh. Bonjour. Comment était ta nuit? Ma nuit était bonne. Maman, as-tu vu mon ami Paul? Paul, non. Aïe. Il est certainement sorti très tôt. Tu sais, lui, il a l'habitude de sortir le matin et il n'est pas paresseux comme les autres. Alors, maman, aucun problème. Je dois partir maintenant. Hein? Je te verrai plus tard. Hein? Pas okay. De problème. Ok, d'accord. Prends soin de toi. Hein?
Tu travailles. Ah. Voilà que tu es ici. Ça va? Où est-il? Paul? Oui. Il est allé acheter quelque chose. Oh. Oui. Va-t-il prendre beaucoup de temps? Hey. Tu sais, il est allé au marché central. Hein? Et tu sais à quel point le marché central est très loin. Hein? Est-ce que je me trompe? Ok, d'accord. Quand il va revenir, hein, dis-lui que j'étais passée. Hey, d'accord? Sans problème, non. Je lui ferai savoir dès qu'il viendra. Okay. Hein? Hey, merci. Notre femme, tu as l'air belle. Bye. Aujourd'hui. Oh. Ok, d'accord. Merci. Je lui dirai. Hein? Hey, ah. Où est-ce que Paul a pu partir depuis ce matin? Hein? Ce garçon est parti où? Kanim, arrête de pleurer. Tu ne dois pas pleurer. Paul va revenir. Arrête de pleurer. Je n'ai pas besoin de ça. Oui, essaye de te calmer. Bonjour, maman. C'est quoi le problème? Pourquoi pleures-tu? Ou donc, qu'est-ce qui se passe? Paul a voyagé. Mensonge! Il a fui! Non, non, ce n'est pas ça. C'est bien écrit ici dans la lettre. Il est parti voir ses parents. Il reviendra très bientôt pour toi. Il est mon ami. Bien, vous n'allez jamais plus rentrer, parce que s'il rentre, il ne me trouvera pas ici. Chai! Hey! Udoka! Mets-toi, prends place. Qu'est-ce qui se passe? Où est parti Paul? Paul est parti en dehors du village. Non. Pourquoi tu pleures? Il m'a quitté. Qui t'a quitté? Paul. Paul t'a quitté? Il est porté, disparu. Hey. Et je n'aurais pas dû lui faire confiance. Désolée. Arrête de pleurer. T'inquiète, ma chérie. Je ne sais pas quoi te dire pour l'instant. Je suis désolée. Hein? Pourquoi tu cours seule comme ça dans la brousse? Arrête, c'est fini, arrête de pleurer. Attends-moi ici, je veux chercher quelque chose pour toi. Attends, hein? Attends-moi ici, hein? Désolée, ma chérie, hein? Tu vois ce qui se passe ici dans ces villages, hein? Il faut être juste forte, c'est tout. Il faut essayer d'être forte. C'est la forme, la personnalité, c'est ça. Je fais de mon mieux. Oui, quand tu fais ça, tu dois voir que tu seras un peu tranquille. Non, moi, je ne suis pas paresseuse. Tu es venue trop en retard pour aujourd'hui. Mais ça, ce n'est pas la fête que tu cherchais. Tu as raison, ma fille. Tu vois maintenant que j'apprends merci de toi. Merci beaucoup. Hein. Merci, ma chère. Laisse-moi vite t'accueillir. Né, qu'est-ce qu'il y a? Le serpent? Jésus! Né! Au secours! À la rescousse! Né! Le serpent? Il est sorti de mon Dieu! Né! Au secours! À l'aide! À l'aide! Né! Mon Dieu! Mais qu'est-ce que je fais? Né, j'arrive, hein! Né, j'arrive! J'arrive! Ok! Mon pied. Kaima. Thank you.
Mon Dieu. Mais Kaïma. 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 Qu'est-ce qu'il y a? Ziné. Mais parle, non, c'est quoi le problème? Un serpent. Le serpent a fait quoi? Oui, elle a été mordue. Qui? Mordue par le serpent. Oui. Oh, tu mens. Elle est restée à la brousse. Oui. On y va. Oui, ok. Et amène-moi là où elle est. Ok, je suis un peu essoufflée. Attends. Ziné, oh. Mais pourquoi tu l'as laissée seule? Tu es venue ici. Maman, désolée, hein. Désolée, ça va aller. Hein? Ça ira. Né, désolée. Désolée, maman. Kaïma, comment elle va? Ah, ma chère, elle n'a rien pris depuis le matin. D'accord, j'ai amené ces herbes pour que tu puisses les concocter pour elle. D'accord, bien, merci. Donne-moi. Non, t'inquiète, ne te dérange pas. Je vais le faire pour elle, maman. Ah, merci. Je le fais. Que Dieu te bénisse. Merci énormément. Maman, ne te dérange pas trop, hein. Sois calme, ça va aller. Depuis que Ziné s'est endormie avec ses ancêtres, c'est chaque jour que je perds l'espoir de vivre. Et depuis que mon père m'a abandonnée, je n'ai plus rien d'intéressant à faire. Où est-ce que je vais aller? Par où vais-je commencer? Oui, je crois qu'on ferait mieux de prendre celle-ci. Hé, Gucci, où est-ce que vous allez? Chica, bonjour. Bonjour, mon frère. Oui, bonjour. Nous rentrons dans la maison de notre parent, puisque Chica Ima a voyagé. De quoi parlait-elle? Je ne comprends rien. Gucci, qui est-il? Oh, lui, c'est Paul. Paul, elle, c'est Osinachi, à moi à baiser, la petite fille du défunt Ezine. Tu as dit que Chica Ima est où? Elle m'a dit qu'elle partait du village. Hein?
Oh, elle est allée au village de sa maman, je crois, non? Hein? Non, non. Nous ne savons pas où elle est partie. Elle n'a pas voulu nous le dire. Nous nous sommes réveillés le matin. On a juste remarqué qu'elle n'était plus là. Je crois que c'est toi, les gars, qui l'ont engrossée et a disparu juste comme elle l'a fait. Hey! Ces gars! Le même gars qui a grossi son ventre? Hey! Donc tu es le garçon du village. Qui a engrossé la fille que j'aime. Donc tu as engrossé la fille que je veux épouser et tu l'as laissée. Donc tu es la fille, le garçon qui cause le problème dans tous ces villages. Tu penses que moi je suis ton ami? Tu veux que je allez-moi, viens, allons-nous-en. Laisse-le. C'est toi qui l'as engrossé? C'est toi viens qui l'as engrossé son ventre? Laisse-le. D'accord. C'est toi qui l'as engrossé? C'est toi? Non, mais regarde, qu'est-ce que c'est que ça? C'est toi? Tu n'es qu'un idiot. Je suis perdue. Paul, calme-toi. S'il te plaît, du calme. Et comment y parviendrai-je, hein? Et comment? Paul, s'il te plaît, si je peux te demander où est-ce que tu étais? Paul, où est-ce que tu étais? Mec, c'était pour un petit arrangement là-bas. Quel arrangement, hein? Vas-y, parle. Hein? Écoute, Paul, ou peu importe comment tu t'es fait appeler. Caïm a appris la fuite, juste comme tu l'avais fait. Qui sait si tu es réellement le père de ce bébé? Je n'arrêtais pas de la surprendre dans plusieurs coins, à plusieurs reprises. Ah. Paul, attends-moi, je t'en prie. Paul. Pourquoi peux-tu dire ces genres de choses? Aussi, oh, discipline ta soeur. Discipline ta soeur. Toi aussi, ce n'est pas bien. Hey, s'il vous plaît, qui va là? Ne me tuez pas, ne me faites pas de mal, je vous prie pardon. Hey, ne bouge pas. Pardon, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pardon, ne me tuez pas. Ne me tuez pas, je vous prie pardon. Je te tuerai si tu ne dis pas la vérité. Qui es-tu et qu'est-ce que tu caches? S'il vous plaît, je m'appelle Chikaïma, je suis enceinte, je suis du village voisin. Je suis venue me cacher ici jusqu'à ce que je mette au monde. S'il vous plaît, c'est juste pour ça que je suis ici. Je ne crois pas. Qu'est-ce qui est arrivé à ta maison? Mon père m'a chassée de la maison après que je sois tombée enceinte. Et la vieille mère auprès de qui je m'abritais est morte. S'il vous plaît, pardon. Pardon, mais ne me tuez pas. Ne me tuez pas, pardon. Viens avec moi. Bouge!
Viens. Voici ma maison. Je vis seule. C'est vrai. Et qu'en est-il de tes parents? Je ne les ai jamais connus. Oh. J'ai vécu avec mes grands-parents. Ils sont morts il y a 2 ans. Oh. Voici ma formidable maison. Une partie de terre. Oh. Tu peux juste habiter avec moi. Jusqu'à ce que tu accouches. Chai. Après ça, tu verras quoi faire de ta vie. Chai, Né. Merci beaucoup, Né. Né, que les dieux te bénissent. Donc, il y a encore des gens comme toi sur cette terre. Ah, que Dieu te bénisse. Il te bénisse énormément. Hmm. S'il te plaît, Né, au cas où quelque chose m'est arrivé, il va s'appeler Kansolo no Chuko. Hmm. Rien ne va t'arriver. Ok? Suis-moi. Hmm? Les dieux m'ont béni d'une très grande bénédiction. Hein? C'était l'éléphant? Très bientôt, je le tiendrai. Qui est-elle? Qui? Oh. Kayama. Elle est une fille que j'ai trouvée dans la forêt. Pendant que je chassais il y a 2 jours. Tu blagues ou quoi? Tu as pris une femme grosse à la forêt et tu l'amènes ici, tu l'appelles amie? Oui, c'est celle qu'elle est. Viens s'il te plaît. Chikanima? Chikanima? Oui. Oui, viens. Hé, hey, oui, tu es ici. Salut. Ah. Tu te présentes mon ami Obi. Ah. Obi, voici ma voisine. Hé. Hey. Ah, on est enchantée. Ravie de te rencontrer. Ah. Ne te dérange pas, tu me plais pas. Ah. Désolée, hein. Pourquoi tu chassais mon ami? Qui es-tu pour choisir mes amis? Je choisis mes amis et elles ne me choisissent pas. Je n'ai pas choisi. Moi, Onye, peux choisir une amie et non le contraire. Je n'ai pas choisi. C'est juste qu'elle ne me plaît pas. Est-ce que je suis obligée d'aimer une personne? Hein? Je ne suis pas ton ami. Je ne suis pas ton ami. Je te dis de faire attention. Kanima, la gentille fille. Oye. Kaim. Kani, comment tu vas? Gentille fille. Petite Kani, est-ce que ça va? Eh, bien. Oui, ça va. S'il te plaît, je m'excuse. Je suis désolée pour la réaction de mon ami, ok? N'y pense même pas, d'accord? Hmm? D'ailleurs, elle ne m'intéresse pas, ok? Oh? Je sais que tu dois déjà avoir faim. T'inquiète, hein? Très bientôt, la nourriture sera prête. T'inquiète. Juste prends soin de toi pour moi, hein? Oh, Né, c'est bon. Ce n'est rien. Elle dit qu'elle ne m'aime pas. Né, s'il te plaît, dis-lui que moi, je l'aime. Tu as compris? D'accord. Jolie dame.
Tu ressembles à une ange. Je vais vaquer à mes occupations. Parce que je dois aller à la chasse aujourd'hui. Ah, ok. La forêt est en train de m'attendre. Ah. Ne t'en fais pas. Je vois. Petite Kaïma, je serai là pour toi aujourd'hui. Ok. D'accord, et bonne chance. Ok, bye bye. Je dois aller à la chasse aujourd'hui parce qu'il n'y a plus du tout de viande dans la maison. Qu'est-ce que tu en dis? Paul! Paul! Est-ce que ça va? Oui, ça va. C'était un rêve. Non, c'est une imagination. Nous parlons de l'infirmière et tu ne veux pas. J'ai vu quelqu'un que je ne vais pas voir. Tu veux m'en parler? Au fait, je rêvais à yeux ouverts. C'est une histoire très ennuyante. Essaie un peu. J'ai dit que je ne vais pas en parler. S'il te plaît, laisse-moi en paix. Pardon. Désolée. Onye, 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 tu es de retour. Onye. Comment vas-tu? Ah, comment tu vas? Tu vas monter. Ah, chérie, ce que j'étais allée faire à la cité m'a pris beaucoup de temps que je ne l'espérais, chérie. Chérie, je suis très heureux d'être en train aujourd'hui. Tu parais très bien. Vraiment, chérie. Ah, mon Dieu. C'est bien pour toi. Mon Dieu. Allons à l'intérieur. Ouais, c'est vrai. Laisse-moi aider avec ton sac, hein. Donc c'est bien tout. Non mais tu vois ce que tu fais. Pourquoi non? Pendant tous les temps que je passais à la cité, je ne faisais que penser à ça. Et voilà que tu me rappelles. Où est-ce mais que ça se trouve? Tu n'étais pas là alors. Et qu'en est-il de Inti? Et tu as mangé Inti, mais tu es toujours mince. Désolée. J'irai peut-être jouer. Si tu le veux. Je voudrais que tu m'apportes Inti. Je le ferai pour que tu manges et que tu prennes du poulet, n'est-ce pas? Ma chérie. tu es aveugle. Qui est-elle? Désolée. Hein? Qui est-elle? Personne n'est importante. Mais elle a voulu casser mon pied, non? Oh, désolée. N'importe quoi. Ce n'est qu'à cause de toi, chérie. Elle ne savait pas. S'il te plaît, désolée. Hein, bébé, désolée, non? Mange ta nourriture. Non? Fais-moi un sourire, non? Mange ta nourriture. Je dois aller dans la cuisine. Je veux prendre quelque chose. Mais je ne serai pas longue. Ne traîne pas où? Bien sûr. Ne traîne pas. Je veux tout savoir. Hein? Je dis tout, hein. Je ne vais pas traîner. Ne traîne pas, d'accord? Ne reste pas longtemps, d'accord? Onye! Où est-elle partie? Mmh.
Non, s'il te plaît, chérie. Laisse-moi. Oh mon Dieu. Oh, Nigné. Kaïma, je t'ai... Laisse-moi, va-t'en. J'étais rentré te chercher, mais on m'a dit que tu étais parti. On m'a dit que tu étais parti pour une destination inconnue, hein. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Non, mais Kaïma, je peux t'expliquer, hein. M'expliquer quoi? Qui est-elle? Ce n'est pas important maintenant. Tu es ici et c'est ça le plus important. Désolée. Oh, désolée. Je suis vraiment désolée. Pardonne-moi. T'es pardonnée. De chez toi à la maison. Hey, mais allons-y, non? Non. Je vais revenir après. Hey, as-tu vu mon chéri? Paul? Hey. Oui, je l'ai vu, mais il ne m'a pas vu. Comment? Il était en train d'embrasser la fille grosse qui est chez toi à la maison. C'est-elle sa femme? Je suis sûre que c'est le père de cet enfant. Non. Tu es vraiment amusante. Je te verrai plus tard. Je dois m'en aller. Je te verrai plus tard. Hein? Moi? Je te verrai plus tard. Ok. Chérie, nous pouvons essayer de nous en sortir ensemble. Hein? Comment? Environnée de ton amoureuse. Et elle n'est pas mon amour. Elle est juste une collègue de classe. Hein? Ah ah. Il n'a pas encore mangé cette nourriture? On s'est juste rencontrés à l'école et je ne m'imaginais même pas que j'allais la rencontrer ici. Hein? Je l'ai rencontrée dans la brousse et elle m'a aidée. Elle m'a apporté beaucoup de l'aide dans cette condition. Avec ces nouveaux développements, comment je vais faire? C'est d'accord, s'il te plaît. Tout se passera bien, je te promets. Ça va aller.
Ça va aller. Calme-toi. Donc tu es venu ici, passer du temps avec moi et me faire l'amour pour disparaître comme ça. Ok, bienvenue. Et pour toi, Kaïma, je ne sais quoi te dire. S'il te plaît, ne le prends pas mal. J'ai rencontré Kaïma où j'avais fui. Et on est tombé amoureux l'un de l'autre. Et elle est tombée enceinte de moi. Quand je lui ai demandé sa mère en mariage, son père a refusé. S'il te plaît, garde ton histoire. J'ai le cœur brisé. Et tu verras combien je suis brisée, ok? Tu es juste là debout et regarde qu'une autre femme prenne ton homme. Il n'a jamais été mon homme. Et c'était quoi alors? Non. Vous aviez toujours fait l'amour dans ta maison, oh. J'ai pitié de cet enfant innocent en elle. Pitié de quoi? Hey, c'est toi qui l'as rendue grosse? Hein? Chasse-le de ta maison, oh. Ou Paul sera toujours ton petit ami. Il ne m'aime pas. Et je ne peux rien faire avec un homme qui ne m'aime pas. Mais je sais quoi faire avec un homme dont je suis amoureuse. Ok, oh, moi je fais ma part, oh. Les plus tôt seraient les mieux, oh. Je ne suis qu'une copine qui te conseille. À quoi penses-tu? Hey, Oye, bonjour. Tu es venu ici, vivre dans ma maison, manger ma nourriture et pour couronner le tout, voler mon homme. Mais qu'est-ce que cela veut dire, Oye? Hein? Sache que tu vas commencer à vendre quelque chose. J'ai quelques légumes. Tu iras là d'ailleurs et le vendre. Comme ça, nous aurons de l'argent pour manger. Sinon, nous mourrons tous affamés. Elle ne fera pas ce genre de choses, Oye. Pourquoi es-tu méchante? Ne peux-tu voir qu'elle est enceinte et elle va bientôt accoucher? C'est bon, Paul, ça ne me dérange pas, je le ferai. Viens, je suis enceinte, mais je ne suis pas du tout paresseuse. Je le ferai, il n'y a pas de souci. Non. Attends un peu. Mais ne me touche pas. Pourquoi tu te comportes comme ça? Non, même pas. N'importe quoi. Des gens sans cœur, toujours là pour manger mes viandes de pousse et me décevoir en fin de compte. Vous allez me le payer. Venez acheter votre légume.
Venez acheter votre légume. Les légumes sont en train de passer. Votre légume est en train de passer. Kaïma, Kaïma, fatiguée, pourquoi tu dors? Ah ben c'est comme tu vois. L'exercice est trop lourd pour moi. Eya, pitié. Merci de te sentir concernée, merci. Ok, donne-moi. T'es donné quoi? Mais ma dette, non? Je dirais ceci, je n'aime pas te voir aux alentours dans ton état. Oh, t'inquiète, je vais gérer. Ne te dérange pas trop. Je ferai avec. T'inquiète, hein? Combien le vends-tu? 50 naira. Reste là, je reviendrai après, hein? D'accord. Eh, hey, garde ceci pour moi. Hein? Je le ferai et ça ne manquera pas. 15 naira pour un. D'accord, merci, okay. À tantôt. Oh. Merci. Tontine, venez. Achetez vos légumes. Ogre, c'est combien? 50 naira. Mais c'est trop peu. Désolée, hein? C'était fraîche juste à cause du rayon de soleil que ça fait un peu fané. Eh bien, il n'y a pas de souci. Donne-moi deux bottes. D'accord. Je vais gérer. Merci, Né. Coupe-les pour moi. Mais je n'ai pas de couteau avec moi ici, s'il vous plaît. Hein? Ok, passe-le-moi. Merci, Néo. Merci. Merci, il n'y a pas de souci. Au revoir. Bon marché. Des légumes frais. Hey, Tati, tu es déjà oui, de retour. Oui, je suis de retour. Mais où sont d'autres légumes? Ah, je les ai tous vendus. Es-tu sérieuse? Ton argent. Hé, hey, incroyable. Je merci beaucoup, dit. Hein. Merci. As-tu vendu pour moi? Oui, j'ai vendu. Juste un. Hé, hey, tu as vendu pour moi. Hé, hey, merci. Tu vois, je te l'avais dit que tu m'as donné beaucoup de chance. Et toi, assise. Tu es très marrante, Sachi. Tu es drôle. Merci. Hein? C'est très gentil, alors... hein, Sachi. Merci beaucoup. Juste un peu. Et comment va mon bébé? Il va bien, ça va. Et oui. Merci. Vendu, hein? Comment et tu vas faire avec le reste des légumes? Je vendrai le reste. Crois-moi. Es-tu sûre? Merci beaucoup. Tu es vraiment une bonne amie pour moi. Oh. Merci. Merci. Mon âme.
Je suis touchée. Alors, pourrions-nous rentrer, non? Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Qui s'intéresse? Je veux juste qu'elle me ramène mon argent. C'est tout ce que je veux. Hey, viens là, viens! Vite, 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 vite! Qu'on parle du diable. Bien. Dépêche-toi, s'il te plaît. Ah! Mon argent. J'ai absolument tout vendu. Oh. J'espère que cet argent est bien vrai. Oh, bien sûr que oui. S'il te plaît, où est Paul? Est-ce l'heure d'une sosie de Paul, sérieusement? Désolée, je voulais juste savoir où il était. Mon ami, dégage de ma vue! N'importe quoi. Kati, Kati. Ha! Cette fille, tu n'es pas du tout sérieuse. Kaïma. Oh. Oh, bienvenue. Merci. Comment vas-tu aujourd'hui? Je vais bien. Ah, les marchés étaient différents aujourd'hui. Ah, ah, ce n'est pas du tout sérieux. Ah, ah. Mais tu n'aurais pas dû m'attendre. Nous vendons des marchandises différentes. T'inquiète. Je sais ce que tu veux. Tu m'apportes la chance. Ah, tu es drôle, toi aussi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Oh. Mais dis-moi, pourquoi tu viens vendre ici? Y a-t-il personne pour t'aider? Ah, né, c'est très compliqué. Si j'avais quelqu'un pour m'assister, tu penses que j'allais vraiment me donner tout ce stress? Hé, hey, même dans ta condition, ce n'est pas bien pour toi. Ma mère te dirait la même chose. Ma chère, je n'ai pas de choix, oh. Moi encore une option. Tout ce que j'ai à faire pour m'aider, c'est de vendre ces légumes. Et aussi pour assister mon bébé, que je vais accoucher bientôt. Hey, désolée, oh, ça va aller. Tu sais, allez, arrête. Arrête de me flatter. Jackie, Omemeka. Tu commences d'abord à vendre le tien pour venir vendre le mien après. Si laisse tomber, je me déplie, je le ferai moi-même. T'inquiète, je le ferai moi-même. Il n'y a pas de souci. Ok. Non, tu es assez gentil, il n'y a pas de souci. Tu es une bonne amie. Toi également, tu es gentil, gentil. Allons-y. Ah, ok. Je te l'avais dit que je vais tout vendre. Ah oui, moi aussi j'ai vendu, j'ai mon argent. Je te l'avais dit, regarde tout cet argent, hein? Tu peux garder ton argent. Je veux tout vendre. Tout d'abord, je dois finir le mien. Allez, t'inquiète, on le fera ensemble. Ok. Fais attention, laisse-lui passer. On va devant.
Je te l'avais dit, je dois tout vendre avant de tomber de la nuit. Mais je dois finir. Vraiment, toi Cathy, hein, tu as toujours à raconter. Regarde, Onye, j'ai entendu la manière dont tu es en train de maltraiter Ochikayuma. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Et je t'ai dit vrai. Si tu ne fais pas croire ceci, dis-nous et puis on va partir. Et comme tu as une maison quelque part, alors laisse-moi te dire, je vis avec vous juste à cause de cet enfant innocent. Et pourquoi te comportes-tu comme ça? Je ne serai pas la seule à souffrir. Elle souffrira émotionnellement. Quoi? Vous n'avez encore rien vu. Et quand j'aurai fini avec vous, vous allez regretter de vous être aimée. Tu la préfères à moi, n'est-ce pas? On verra. On verra! Chérie, regarde-toi. Tu bouges très bien. J'adore cette façon. Tu es droit. Viens ici. Viens. Toi. Regarde-toi. Tu es très douce. Voilà. Regarde. Alice, ça chatouille, arrête. Hein? Regarde, tu bouges bien, tu sais. C'est fini. Je t'avais promis, je t'avais tout dit. Mais tu n'avais pas écouté. Hein? C'est fini, arrête de pleurer. Allez! À l'aide! À l'aide! À l'aide! Au secours! Que quelqu'un m'aide! Onye, s'il te plaît, aide-moi! Onye, aide-moi! Onye, j'ai mal! Le bébé! Le bébé! Elle a dit le bébé! Quel bébé? Cette stupide chose! S'il vous plaît! Aidez-moi! Aidez-moi, s'il vous plaît! Aidez-moi! Onye! Je savais que ça allait arriver. Pendant que ta vie dépendait de moi. Tu es juste venu de nulle part. Et tu as éloigné mon chéri. Mon amour. Tu sais combien de fois j'ai prié pour qu'il revienne? Et te voilà. Tu es venu de nulle part. Et tu me l'as arraché demain. Je vais te regarder mourir. Ah, s'il vous plaît, aidez-moi, s'il vous plaît. J'ai mal. Aidez-moi, pardon, aidez-moi, j'ai mal. S'il vous plaît, au Kamsi, au Tchoukou, Onye, aidez-moi. Onye, hey, oh là là. Kaïma, s'il te plaît. Kaïma. Kaïma, réveille-toi. Kaïma! Hey!
Sois calme. Arrête de pleurer, c'est bon. C'est fini. C'est fini, ça va aller. Oh, quoi? Qu'est-ce qui ne va pas ici? Pourquoi est-ce que tout le monde est ici, hein? Kaïma a donné naissance à un très joli bébé-fille. Hey, ma fille! Où est-elle? J'ai l'impression de voir mon bébé, hein? Elle est à l'hôpital. Les infirmières sont en train de prendre soin d'elle. Elle est tellement jolie. Elle te ressemble. Elle ressemble aussi à sa maman. Je sais. Alors, où est Kaïma? Je crois qu'elle est aussi là-bas, non? Ok, alors, je dois aller rapidement aller voir, d'accord? Paul. Kaïma est morte. Non, je n'ai pas bien entendu. Kaïma est morte. Tu blagues, d'accord? Tu blagues, hein? Paul, Kaïma est morte. Toi, réveille-toi. Allez, vas-y. Lis la lettre, lis. J'ai dit lis la lettre. Mais t'es qui cette lettre, juste, non? Commence par lire. Vas-y, lis. Vas-y, lis. Mon très cher ami, je te rédige cette lettre avec un cœur tout sanglant. Et parce que le pire m'est arrivé. Et pendant que tu seras en train de lire cette lettre, je serai aux côtés du corps de mon amour qui m'a. J'ai perdu Kaïma dans une douleur atroce pendant l'accouchement de notre fille. Aide-moi à atteindre son père, Oua. Pourquoi Kaïma? Après tout ce qu'elle a traversé, maman, pourquoi Kaïma? Quel sera l'état de Oua avec cette nouvelle? Comment allons-nous faire pour lui faire parvenir cette nouvelle? Maman, voilà ma plus grande peur en ce moment. Ça, c'est ma plus grande peur. Nous ne pouvons pas garder cette nouvelle pour nous-mêmes. Nous ne pouvons pas. On emmènera son corps ici après-demain. Le lendemain? Oui. Oh. Osgo. Calme-toi. C'est fini. Oh, Ego, arrête, non. Tu vas attirer l'attention ici, non? J'essaie de t'apaiser. Arrête de pleurer, c'est fini. C'est bon, arrête de pleurer maintenant. Allez. C'est la vie. J'essaie de te maîtriser. Maîtrise-toi. Alors, voilà comment ça s'est passé. Voilà comment Kaïma est morte. Mais le bébé est en vie. Je suis venu pour vous dire, pour savoir ce qu'on va faire de son cadavre et le bébé. D'accord. Attends alors que je me change, hein. Comme ça, tu vas me montrer où ils sont. Attends-moi. Hey! Toi? Hein? Toi? Reviens ici, non? N'importe quoi. La foudre allait te tuer. Pour que tu viennes avec ces deux petites choses que tu appelles jambes, tu viens aussi dans ma parcelle. Tu viens aussi me dire que ma fille,
est morte et que je dois venir. Mon Dieu, il l'a tué. Il ne l'a pas tué. Mamie ne l'a pas tué. Je sais qu'elle t'avait offensé, mais ne regarde pas seulement son mal. Regarde le petit enfant, regarde l'enfant. S'il te plaît, oh, pardon. C'est fini. Regarde, le bébé est trop belle. Elle ressemble à sa mère. C'est fini, oh. Hein? C'est tout. C'est fini. Ouais, je vous en prie, hein, je vous en prie, acceptez-la, s'il vous... je vous en prie, s'il vous plaît, pitié. T'inquiète, oh, tu as maintenant une petite fille que tu pourras toujours voir. Tu as la petite fille. Moi, je t'en prie, essaie de te calmer, hein. Je t'en prie, hein, accepte-la, s'il te plaît, s'il te plaît. Après tout ce que j'étais en train de te dire. Voilà maintenant. Que vais-je faire maintenant? Que vais-je faire maintenant? Que vais-je faire? Non, elle est ta petite fille. Connie ne me pardonnera jamais. Elle ne me pardonnera jamais, ma fille bien-aimée. Hey! Qu'est-ce que je me suis fait? Hey! Quand j'étais censé être là pour toi. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai détruit ma propre vie. J'ai détruit ma propre vie. Oh mon Dieu. Et mon Dieu. Hey! Je l'ai tué. Je l'ai tué. Voilà ce que j'ai fait. Est-ce que je peux la faire revenir? Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé, Dieu. Dieu va prendre ma vie. Mon Dieu. Prends-moi. Prends-moi, 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 prends-moi. J'ai tué ma propre fille. Kani, Kani, mon amour. Oh. Comment vas-tu? La nourriture, oui, la est prête. La nourriture est déjà prête. Va je la te prendre. L'amène. Et tu parles d'amour. Tu parles de l'amour. Papa. Comme je t'ai donné le dos, je te tourne aussi le dos. S'il te plaît, papa, s'il te plaît, papa. Alors, ma fille, c'est de cette manière que j'ai perdu ta mère. Tu es tout ce que j'ai maintenant et je t'aime énormément. Je t'aime aussi, grand-père. Allez, viens, ma fille.